Vous parlez dans quelle langue, monsieur Condé? Interprète, venez, s'il vous plaît. Il parle malinké. Oui. Merci, monsieur le président. Monsieur Mamadi Condé, à l'audience du 17 avril 2023, vous avez déclaré ceci. Devant le stade, on a trouvé le colonel Moussa Tchéboro Camara. Il a dit que la marche était annulée et un petit lui a dit qu'il ment. Le colonel l'a insulté et nous sommes entrés au stade. Ko aina minkera iko ainara colonel tre stade d'accord ko akafoyen ko manifestation ko abara rejeté ko petit do ko ma kuyuya ko idonna ko ni kuma kanne wodi oui mon colonel, qu'en pensez-vous? Merci monsieur le président, merci monsieur le assesseur. Je pense que c'est le même train quotidien. Mamadi Condé, je ne le connais pas de vue. On ne s'est jamais rencontré. Et ce qu'il dit là, ça ne s'est jamais passé. Parce que moi, je vous dis que ce jour, ce qui a fait ma grosse chance est que les journalistes étaient là. Les Hamza Ba, tout le monde était là. Tous les journalistes qui ont passé ici, là, c'était, ils étaient là. Et chacun avait son micro, sa caméra braquée. Tout ce que j'ai dit ce jour était relayé tout de suite. Et ce qu'il vient de dire, je pense qu'un Guinéen lambda à l'intérieur du pays n'a jamais entendu. Et mieux que ça, aucun journaliste n'a relayé ça. Leur dépêche le soir. Comme Mamadi Kakuma a mis une fois, il n'y a pas de journaliste qui a fait un travail, 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 qui a fait un travail. Bon, ce qui s'est passé moi devant moi. Bon, vous n'êtes pas obligé, il n'est pas obligé de reprendre tout. Hein. Okay. Si c'est pour venir confirmer la même chose, les mêmes déclarations. Na katraye se le komakan kile ono président ko hali mo ko katoy. Koni wori. OK, mais wole koni parce que ne ka soro na ka folle dinen atre kuma la ko molie ko sei ko jude indépendance le loni donc on a petit coco oulé à kafoko celui qui part maintenant que je te rentre. Oui, bon, c'est ce que je voudrais réitérer parce que nous avons trouvé là-bas. Lui, il avait dit que c'était le jour de l'indépendance, la marche est reportée, le petit l'a dit en bon sous oulé. C'est ce qui s'est passé devant lui, dit celui qui part là-bas je le rentre dedans. Allez-y. Ouais, merci, monsieur le président. Je pense que le mot courant dedans est devenu à la mode. Cela a été dit au niveau de la Fondis. Et je ne l'ai pas nié. Dans ma déposition ici, je l'ai bien clarifié. Hier encore, je suis revenu là-dessus. Mais au niveau de l'esplanade, comme il le dit, tu vas dire un mot comme ça, c'est un mot, c'est un titre accrocheur. C'est un mot déjà qui, le journaliste cherche. Tout le monde était là. Ils n'ont aucun témoin, ils n'ont aucune preuve et ça ne vient pas de moi. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce que pratiquement la façon dont vous m'avez vu dans la vidéo était comme ça. Tu as mis des gens, tu vas dire là-bas, là, un petit va dire, oulé, ça sert à quoi? Quand il est un responsable à l'époque là, ça sert à quoi? Et que moi je me déchaîne contre lui, et d'après sa version. Et ce mot n'a pas été dit à l'esplanade, et plutôt au niveau de la Fondis. Comment quand on voit le boulot? Stade quand stade d'accordoli quoi fera Fondis d'accordoli quand on connaît au fera comment continuer à tirer non ne connais quand même à quel stade tirage là non jamais avec un calame moi ce que j'ai entendu c'était là bas au niveau du terrasse vous étiez entouré par la foule monsieur le président. Vous disiez également que vous disiez avoir vu le colonel entouré de gendarmes. Il y a des gendarmes qui entouraient le colonel Moussa Tchéboro Camara. Vous le confirmez? Qu'on a laminé entre les gendarmes de la Nibarak, c'est Kumaoma. Non, ne m'a pas fait la ministre des gendarmes.
Donc moi je n'ai pas dit qu'il était entouré par des gendarmes. Je n'ai pas dit ça. C'est noté, hein? Quoi c'est béni? Bon, moi en tout cas je n'ai pas dit ça. Je retiens tout ce que j'ai dit ici. Vous n'avez pas confirmé ici que les gendarmes qui étaient là étaient les gardes de Colonel Moussa Tchebro Camara? Bon, moi je n'ai pas dit ça. Moi j'ai dit celui qui a tiré sur moi, c'était un gendarme. Mais je n'ai pas dit que c'était les gendarmes de Kiegro. Je vous remercie, monsieur. Ministère public. Partie civile, vous pouvez disposer, M. Condé. M. Yacoub Abari. Il n'est pas dans la salle. M. Amadou Diallo. Maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, vous avez déclaré à l'audience du 17 octobre 2023 que vous étiez à Dixin ce jour. Quelques minutes après, vous avez vu le colonel Moussa Tchebro Camara tenter de dissuader la foule. Comme il n'a pas réussi, le colonel, en quittant les lieux, a fait un geste d'épaule. Et après son retrait, les policiers et gendarmes ont lancé, ont fait usage de gaz lacrymogène, de matraque et même procédé à certaines arrestations. Vous le confirmez? Oui, absolument, je le confirme. Mon colonel, qu'en pensez-vous? Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assesseurs. Monsieur Diallo, que je ne connaissais pas du tout. Et certainement, c'est un mot de la presse étrangère, on attendait cette dépêche. Je pense que ce jour aussi, lui-même l'a dit qu'il était chez un avocat, après les hostilités au stade, et qu'il aurait préparé la première dépêche pour la BBC. Demandez-le si dans cette dépêche, mon nom figure, parce que ce qu'il a dit comme ça, c'est important. Si c'est ce geste-là, ça n'a pas de geste, non? Oui. Si c'est ce geste-là que lui-même ne peut pas interpréter, qui a fait que policiers et gendarmes pouvaient vraiment lancer gaz lacrymogène ou matraquer les gens, ça n'engage que lui, parce qu'en réalité, moi je n'ai aucune idée. Monsieur Al-Ghassim Diallo a passé ici, qui est aussi journaliste aujourd'hui à sa place, il a été clair. Et d'autres partis civils ont été entendus ici. Je vous apprends que ce qui a fait mon nom, une référence dans cette affaire est que simplement pendant que les parties civiles défilaient ici sur 107, si j'ai bien noté, il y a eu 71 qui ont parlé de Tchebro. 71 sur 107. Et à un moment donné, ma femme ne me dirait même plus à la maison centrale parce qu'elle était toujours en pleurs. Et à cause de ces appréciations comme ça, des affirmations de ce genre, nulle part j'ai fait un geste, et si j'ai fait un geste, je ne sais pas si mon bras était accroché à quelque chose ou pas. Je ne sais pas, moi-même, je ne me rappelle pas d'avoir fait un geste comme ça, qui signifie un ordre, lancer lacrymogène, prenez les matraques. Je vous ai dit que tout ce qui est question de lacrymogène, tout ce qui est question de matraque, ne relève pas de ma compétence, parce que mes services n'étaient de près ou de loin dotés de lacrymogène ou de matraque. Ah, c'est bon. Ok. Est-ce que je peux réagir? Allez-y. Est-ce que je peux réagir? Allez-y. Oui, mon colonel, vous avez raison de dire que c'est sur les antennes de la BBC et ailleurs que vous,
que vous avez connu Amadou Diallo. Moi, je vous suivais. Je vous ai suivi ce jour-là, mon colonel. J'étais à un micro de vous. J'avais mon micro ouvert. Je vous ai observé. Vous étiez en train de parler. Vous étiez en train même de me regarder. Lorsque vous êtes arrivé, la foule vous a acclamé. J'étais là. Je le dis, que vous aviez été acclamé. Mais je dis aussi que vous avez tenté de dissuader et non de sensibiliser cette foule, de ne pas ce jour-là tenir le meeting. Lorsque vous n'avez pas réussi à les dissuader et que la foule grossissait et que les gens commençaient à contester vos propos, ça vous a énervé. Et vous avez fait un geste, non pas de l'épaule comme le dit Maître Sovogui. Moi j'ai parlé ici d'un geste de la tête, pas de l'épaule. Donc vous avez fait un geste de la tête. Peut-être c'est un geste inconscient. Mais moi, ce journaliste, j'observe. Lorsque je rentre dans cette salle, vous ne pouvez pas lever un journaliste la capacité de réaction et d'observation. Lorsque je rentre dans cette salle, à la minute près, je sais tout ce qu'il y a ici. Je peux vous décrire tout ce qu'il y a et tout ce qu'il n'y a pas dans cette salle. L'observation fait partie des qualités d'un journaliste, d'un bon journaliste. Donc moi je vous ai observé, peut-être que votre geste était inconscient, mais vous avez fait ce geste de la tête et vous avez quitté. Et dès que vous avez quitté, les policiers et les gendarmes qui étaient là ont ouvert, disons, ont lancé les gaz lacrymogènes. C'est bon. Oui. Merci Monsieur le Président. Vous êtes journaliste, hein, et moi je suis gendarme. Mes faits et gestes sont comptés, analysés minutieusement. Il faut le dire. Et je suis gendarme, quand je dis je suis gendarme, franchement, je suis gendarme. C'est très important. Mon frère, il faut qu'on soit là pour dire la vérité devant ce tribunal. C'est une question d'histoire. C'est une question d'histoire. Vous avez dit, vous pouvez faire un geste inconsciemment. Non. Un geste ne signifie rien en commandement militaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, si les gendarmes et les policiers ont lancé les gaz après mon départ, il ne faut pas aussi oublier qu'avant mon arrivée, ils avaient lancé les mêmes gaz lacrymogènes contre les gens. Ça, c'est un premier facteur. Et deuxième facteur, c'est que vous êtes seul dans votre propos. Un peu chimérique, parce que moi, je ne sais pas d'où ça vient. C'est de la fiction. Parce que ça ne vient pas de moi. Je n'ai jamais fait une tête comme ça. Je ne sais pas. Vous pouvez imiter un peu. On va savoir. Non, je ne veux pas imiter. C'est bon. Une autre question. C'est bon. C'est bon. Vous avez dit également que vers l'université, le colonel Tcheboro est arrivé au niveau des leaders et engager une discussion avec eux, qu'il a proféré des injures. Il a dit à M. Sidia que c'était à 1h du matin que le capitaine Dadis l'a appelé et qu'il était à côté. Vous le confirmez, M. Diallo? Oui, je le confirme. Vous savez, sincèrement, je me suis demandé, lorsque j'ai reçu l'appel que je devais répondre, être confronté au colonel Tcheboro, je me suis demandé pourquoi me confronter au colonel Tcheboro. Parce que ce que j'ai dit a été joué ici. Moi, je ne dis pas les choses au hasard. J'ai dit que le colonel Tcheboro a dit à Sidia Touré, lorsque le président vous a appelé la nuit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Monsieur Sidia Touré répond, lorsqu'il m'a appelé, il voulait que la marche soit reportée. Mais il était 1h du matin, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas reporter. Il a répliqué en disant, non, ce n'était pas 1h, j'étais à côté. Mais le tout a été joué ici. Vous avez tous entendu, c'est la voix du colonel Tcheboro. Il a dit qu'il était à côté. Moi, j'étais à côté de lui, j'ai enregistré. Et ce que j'ai enregistré là, je vous ai montré l'appareil ici. Et le son, l'audio a été joué ici. Donc, franchement, je pense qu'il faut accepter. Vous avez dit la vérité. Oui, je vous renvoie la balle, mon colonel. Dites la vérité. Merci, mon cher frère. Donc, je pense que la vérité que tout le monde cherche, c'est ce qu'on tente de faire. Pour expliquer l'événement dans son contexte réel, faire en sorte que le tribunal puisse prendre quelque chose dedans, de quintessence. C'est ça le problème. Monsieur Diallo, ce que vous dites comme ça, dans votre audio ici, personne n'a entendu dire, Tcheboro, j'étais à côté. Ah, mais on peut le juger. C'est bon, vous le laisser parler. Et mieux que tout ça, Thibou, qui a servi l'agent de liaison, parce qu'à travers son téléphone, que le président Dadis a joint le grand frère Sidia. Et à travers ce Thibou-là, qui a passé ici, Thibou n'est pas n'importe qui dans tous les cas, il a dit que je n'étais pas sur les lieux
Si vous avez entendu que moi j'ai dit à Sidia, j'étais à côté, ça ne vient pas de moi. Et mieux que ça, c'est même si je le disais, je n'étais pas là-bas parce que c'est vous-même qui a fait la chose. Mais si toi tu as entendu comme ça, ça c'est pas moi, je n'étais pas là. Et c'est vrai. Et l'audio a été écouté ici. Personne n'a entendu dire Tchebro. Oui, j'étais à côté de d'Adis et pendant que le grand frère Sidia appelait. Et c'est vrai. Ça, je suis clair là-dessus. Et partons-nous pour aller vers ce qu'on appelle ici, le grand frère appelle ici, la réconciliation nationale. Après ce procès. Et cela ne peut pas être obtenu si on ne se dit pas la vérité, vérité, justice et réconciliation. Parce que quoi, on a pris ce procès-là comme un procès, s'il faut, moi j'ai dit, procès témoin. Il y a eu trop de faits dans ce monde, dans ce pays. Mais aujourd'hui, on est en face d'un procès qui va nous emmener désormais à la réconciliation, comme le grand frère Amédou M. le dit. Je souhaite vraiment que ce procès nous conduise à la réconciliation nationale. C'est aussi mon souhait le plus absolu. Mais si vous contestez le fait que vous ayez dit que vous étiez à côté du capitaine Dadis lorsqu'il a appelé M. Sidia Touré, mais moi je demande seulement au tribunal de rejouer cet audio, puisque si vous ne l'avez pas entendu, moi j'étais à la maison. C'est moi qui ai fourni l'audio, j'étais à la maison lorsque ça a été joué, j'ai entendu clairement et distinctement vos propos, mais si vous vous contestez, que le tribunal rejoue ça et que vous entendiez. Parce que peut-être que vous étiez distrait lorsque ça a été joué, mais là, vous êtes concentré, vous allez entendre, réentendre plutôt. D'accord, M. Diallo, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Thibault était là, il a parlé. Dadis lui-même est venu, il a parlé que je n'étais pas là. J'ai dit, admettons que j'avais même dit, admettons. Mais dès lors, moi-même, je ne reconnais pas que j'ai dit. Et que ceux qui étaient en communication disent que je n'étais pas sur place. Donc, votre problème est où? Mais ils peuvent dire. C'est bon. C'est bon. Oui, merci pour votre question. Voilà. Monsieur Diallo, moi, une petite précision. Vous avez dit quelque part. Entre-temps, j'ai entendu dire le colonel Moussa Tchibouro Camara et dire aux leaders: suivez-moi. Et les manifestants ont lancé des pierres et des gaz ont été tirés. Vous réitérez, vous confirmez? Oui, je le confirme, oui. Mon colonel? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, monsieur le président. Et ça aboutit toujours à cette fameuse injure. Alors, et ça, c'est normal. Je l'ai dit en toute conscience. Et même si ça se répète aujourd'hui, je peux le dire à un jeune frère, arrêtez de parler sur le rang dedans pendant que je parle avec les grands frères. J'ai précisé pendant que je parle avec les grands frères. Ceux qui venaient là nous embrouiller derrière, c'est à eux, je m'adressais. Ça, c'est quelque chose que j'ai confirmé. Ça, vous le reconnaissez? Suivez-moi. Non, vous reconnaissez ça? Non, mais je l'ai dit tantôt, même pendant ma déposition ici, même dans ma déposition. Et c'est vrai. Et dans. C'est bon, on évolue, voilà. C'est bon. Ça, je l'ai dit. Mais dit qu'il y a eu tir. S'il vous plaît, c'est bon. Monsieur le Président, il n'y a pas eu tir. C'est bon, hein. Il n'y a pas eu tir, hein. Au une question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, les distingués assesseurs. Ministère public. La défense n'aura pas de questions en ce qui concerne le Katumba. Ce monsieur, c'est tout qui est là. C'est un témoin de l'histoire. C'est un témoin de l'histoire qui se tient devant vous. Je le crois très serein à cause de la vérité. Il s'est exilé. Il était à Dakar au compte de la BBC. Les questions, s'il vous plaît. Pas de questions. Parti civil. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. Merci également, honorable assesseur. Monsieur Diallo. Oui. Nous sommes toujours dans l'esprit de vos déclarations. Merci beaucoup. Quand vous avez rencontré le colonel Tchibouro à la terrasse, de là, il a pris la route vers Gamal. Et quand il a rencontré, selon vos déclarations, les leaders, vous dites que
vous dites avoir vu au moins deux véhicules qui l'accompagnaient. Je voudrais savoir si c'était des véhicules seulement de l'antidrogue ou c'était des véhicules à bord desquels il y avait des policiers mais aussi des gendarmes qui le suivaient. Oui, je suis incapable de dire s'il s'agissait de véhicules de son département à l'époque puisqu'il gérait l'antidrogue, la grande criminalité aussi, je ne peux pas le dire, mais c'était des véhicules de gendarmerie. Et c'était des gendarmes qui étaient là-dedans, c'était pas des policiers. Les policiers avaient bloqué les leaders au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Et lui, il allait vers les leaders. Pourquoi, je ne sais pas, mais il est allé, il a trouvé les leaders bloqués par les policiers, pas par les gendarmes, mais par les policiers. C'est en discutant avec les gendarmes qu'il a proféré les injures que vous connaissez et qu'il a accepté de reconnaître. Et après, évidemment, il a demandé aux leaders, puisque ce dernier aussi, il a compris qu'il ne voulait pas reporter la marche et que la foule devenait assez nombreuse, très nombreuse même, il a demandé aux leaders de le suivre. Où est-ce qu'ils allaient? Je ne sais pas. Est-ce que c'était vers le stade? Il a dit en tout cas, suivez-moi. Et c'est en ce moment que les gens ont pensé qu'ils voulaient procéder à des arrestations et ils ont jeté des pierres. Merci. Colonel, oui. Arrivé à cet endroit, vous étiez accompagné de véhicules de la gendarmerie, ou deux véhicules au moins? Ça, je vous dis que moi, j'étais dans ma voiture. Et cette fois-ci, oui, ceux dans ma voiture, si les policiers, parce que là-bas, quand dans la vidéo, vous avez vu Blaise, je parle de Bafoué, qui était derrière moi. S'il est venu aussi en voiture et qu'il a suivi mon trajet, je ne parle pas, je ne l'ai pas regardé. Mais avec les leaders, j'étais avec Bafoué. Vous avez vu dans la vidéo, Bafoué, il est là, avec ses hommes. Tous ceux qui sont arrêtés là, noirs là, les policiers, ce sont des gens de CMS. Je n'ai qu'un seul garde-corps là-bas, qui est juste l'autre qui était dans la voiture qui pilotait. Il y a le chauffeur. Le garde-corps, il est arrêté derrière moi quand je suis avec les leaders. Et ce qu'il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, ou je ne sais pas où il veut aboutir. Moi, j'ai un problème. Les leaders étaient là. Le grand frère Fall, mon frère Chouge et M. Ben étaient là. Ils vous ont dit comment on s'est retrouvé, comment on s'est séparé. Ils ont dit que c'est la courtoisie la plus absolue. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est bon. Donc, et lui, pas de vous voulez dire que ces deux véhicules n'étaient pas commandés par vous? Pas du tout. Je vous dis que j'ai bougé avec ma voiture et j'étais avec Bafoué au niveau de l'esplanade. On était aussi ensemble au niveau de la fondiste. Est-ce qu'il est venu en voiture ou pas? Je n'en sais rien. Mais moi, j'étais dans ma voiture, j'étais seul. Colonel, vous avez marché de l'esplanade au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Vous étiez à pied en tenue militaire, dans vos tenues, vous avez marché. Pas de tout, monsieur Gas. Le véhicule était avec colonel Chiboro. Non, ils étaient derrière lui. Les deux véhicules. Le véhicule était derrière. Derrière. Et monsieur le procureur, ça, c'est lui ce qui le dit. Ce qui me tourne dans cette affaire, c'est que chaque élément qui vient a son propos qui est propre à lui. Comment je peux marcher 150 mètres alors que j'ai ma voiture qui est garée juste. Moi, je suis monté dans la voiture, comme Gassim l'a dit ici. Je suis monté dans la voiture, comme l'autre l'a dit, comme les autres, comme Amidjo pour l'a dit ici. Je suis monté dans ma voiture. Et la voiture ne s'est arrêtée qu'au niveau du barrage, où la police avait monté devant les leaders. Mais je suis descendu au niveau du barrage, ils n'ont pas enlevé pour moi. Je suis descendu, j'ai contrôlé le barrage, les leaders étaient juste collés au barrage. Et vous avez vu comment on se parlait. Il n'y a pas de coup de poing, la tête est baissée comme ça, on se parlait entre nous. Et vous voyez. En tout cas, la vidéo qui a passé, c'est comme ça. Et monsieur n'a pas dit tout ça là dans sa dépêche. Il faut arrêter. Monsieur, allons à la paix. C'est important. C'est bon. Une autre question. Ça, la vérité. Monsieur Diallo, okay. Oui. Également dans votre déclaration, lors de votre passage ici, vous avez dit qu'au niveau de la pharmacie, quand vous cherchez à vous soustraire, vous avez rencontré un groupe
un groupe de gendarmes habillés en body noir. Et ce groupe de personnes a réussi à vous fouiller. Oui. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je le confirme. Je le confirme. Et ceux qui vous ont fouillé, confirmez-vous que c'était des jeunes gendarmes qui étaient habillés en body noir? Oui, c'était les gendarmes du colonel, les gendarmes de l'antidrogue. De l'antidrogue? Oui, absolument. C'était eux. C'est eux. Moi, c'est eux qui avaient pris mes téléphones. Mon téléphone, j'en avais qu'un seul, qui avait pris de l'argent, c'est l'un d'entre eux qui avait sorti son poignard de sa poche pour m'assommer, pour me donner un coup sur la main droite, un coup violent. J'ai fait 3-4 mois. Honnêtement, je ne pouvais pas travailler avec cette main. C'était des gendarmes de l'antidrogue. Colonel. Merci, monsieur le Président. Ça commence à être clair. Je pense que le monsieur se trompe. Et puisque ce qu'il explique comme ça, moi, je n'étais pas. Et mieux que ça, ces gendarmes-là, antidrogue ce jour-là, qui étaient venus en élément de patrouille avec les Blaise, Farima, je n'étais pas avec eux, parce que personne ne le voit avec moi dans la vidéo. Et puisque ce qu'il dit, c'est en fonction de sa propre conscience, celui qui parle devant Dieu, Dieu nous voit tous, moi je ne peux pas l'infirmer, je ne peux pas l'affirmer, mais ce que je peux dire, c'est que mes gendarmes de l'antidrogue ne sont jamais dotés de demander n'importe quel militaire par le poignard. Poignard même n'est pas une dotation. Prendre le poignard, casser la main d'un journaliste, ça c'est notre problème. C'est notre problème à lui de nous dire quel est ce gendarme qu'il a fait. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai dit que mes hommes n'étaient jamais dotés d'un poignard. Demandez toute la Guinée, parce qu'on a tourné partout. Mais vous reconnaissez cependant que les gendarmes habillés en body noir sont vos éléments, sont de l'antidrogue. Ça, c'est une évidence, vous le connaissez. Monsieur le procureur, il n'y en a même pas à discuter cela, parce que ça, c'est notre bien. Mais il ne faut pas aussi oublier que c'est nous qui avons inventé ce body noir. C'était pour se démasquer un peu. Mais au fil du temps, beaucoup s'habillaient. Mais ceux qui étaient là-bas ce jour, ceux qui l'ont vu et qui l'auraient cassé le bras ou entossé le bras. Non, pas cassé, moi, je n'ai pas dit ça. Non, entossé le bras, je n'ai même pas dit entossé. J'ai rectifié, mais qui t'y fait quelques mois déjà sans travailler, c'est qu'il y a le bras abîmé. Ça, il faut le connaître, avouer. Donc, ceux qui l'ont fait, moi, je ne le connais pas. C'est bon. Je ne le connais pas. Je vous remercie, monsieur. C'est un seul gendarme qui l'a fait, pas deux. C'est un bon. Seul. Ah, il faut le chercher. Parti civil. Vous pouvez disposer, M. Gallo. Merci beaucoup. Merci, M. le Président.